Facecam pour la première fois, on surprendra peut-être certains, mais bon, pas de fou. Je suis en compagnie de deux personnes et on va parler tout simplement du. 1,5. De quoi? Il dit 2 personnes, j'ai 1,5. Mais le mec! Mais ta gueule! Mais laisse-le faire son intro, mais c'est pas dur! Laisse-le! Bah disons t'es une personne, je suis à moitié d'une. Bon, bref. Bon, je suis en compagnie de Yu Gong et Kyojin, les gars. Salut. Je suis l'intelligence. Ah ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Une demi-personne intelligente. Ok. Bref. C'est vraiment la merde. Ouais, ça commence bien. Oui, totalement. C'est beau. Oui. Alors, on va parler de Monster Hunter Legend of the Guild. Donc, fait en bref, l'animation 3D qui devrait bientôt arriver. Ouh! 2019, il me semble, d'ailleurs. Ouais, 2019. Donc, je me rappelle plus du studio, je me rappelle plus de rien, je connais absolument pas. Ah, téléphone, je crois entendre. Non, non, pas téléphone, on refuse les téléphones. D'accord. Yugong. Mon avis là-dessus? Oui, pourquoi pas. Pour le moment, bon, même si on n'a pas trop d'infos, pour ce que ça propose, ça m'a l'air pas mal en fait. Déjà, tu regardes, c'est. Sur l'affiche, on peut voir assez distinctement que c'est le chef des As de la chasse. Ouais. Ouais, t'es sûr? Ouais. Voit, hein, tu regardes les lames, tu regardes sa coiffure, tu regardes sa tenue, c'est carrément lui. Peut-être, ouais. Donc, peut-être. À ce qui paraît, ouais, ce serait une histoire sur lui, et déjà, l'histoire, ce serait un jeune homme assez fougueux qui veut être un hunter reconnu, et puis là, justement, il atterrit dans un village où il y a un dragon. Ouais, combat d'un arcier. C'est l'occasion ou jamais, quoi. Oui, bon, c'est l'affiche, hein, tu vas pas mettre le dragon. Ça. Ouais, le dragon, ça, imagine, c'est un dragon, ça, qu'on connaît pas, tu sais. Ouais, ah mais bref, donc... Là, ce serait vachement intéressant, ça. Bon, après, ça, c'est encore de la spéculation. Ouais, donc, pour moi, ça me semble être une bonne idée. Surtout pour une animation 3D, c'est plutôt envisageable, hein, mine de rien. Bah ouais, 3D... On n'a jamais vu de Monster Hunter avec des acteurs, donc en 3D, moi, ça me paraît bien. Bah, enfin, après, moi, j'ai mon avis, mais déjà, Capcom, ils ont déjà fait beaucoup d'animations 3D. Regarde les animations oui. De Oui, bah, justement, je veux dire, ils ont déjà fait les cinématiques, etc. Ils étaient tellement chauds sur les cinématiques, ils se sont dit, vas-y, go faire un truc sérieux, quoi. Bah oui, ils faisaient des belles cinématiques, en vrai. Hein. Même sur les premiers Monster Hunter, c'était assez ouais, correct. C'était plutôt correct, même pour les premiers. Hein, ouais, ouais. Ouais, par contre, les cinématiques du tout premier étaient un peu dégueulasses. Ouais, enfin, je veux dire, pour l'époque, ça allait. Ouais. Mais maintenant, tu regardes ça, ça brûle les yeux. Bon, après, maintenant, faut relativiser. Oui. Tu disais, Pierrot ? Je disais juste que ça avait mal vieilli, en fait. Ah.
Et toi, ton avis? Alors moi, mon avis, moi, bah en fait, sur le papier, tu vois, ça a l'air cool, mais après, il va falloir le rendu final, parce que là, c'est qu'il y a encore une annonce, entre guillemets. Ouais, en bah, gros, comme... ouais, en gros, voilà, comme chaque chose, ça se trouve, tu vois, ce sera une animation... bah, déjà, on saura pas si ce sera un film ou des épisodes. En vrai, on sait pas ça encore, tu vois, c'est... Parce que c'est annoncé comme, entre guillemets, l'histoire d'un mec, tu vois, genre, on va pas forcément les histoires. Tu vois, dans un récit, y a pas... si c'est fait tout d'un trait, ce sera mal fait. Parce que je trouve que les histoires les mieux racontées, c'est les plus longues, c'est pas les plus courtes. Après, ça dépend quoi après, ça dépend quoi. Ouais, mais si c'est l'histoire, tu vois, genre du mec, là, des os de la chasse, comme tu disais, ce serait mieux d'y raconter de, comment dire, de par partie, tu vois. Parce que je pense qu'il a une longue vie, tu vois, parce que si c'est le mec de 4 rues, il a vécu pas mal de choses, hein, parce qu'il a vécu le truc de Chagarou, ou après ça... Enfin, Chagarou, c'était avec le chasseur, théoriquement, donc déjà, tu vois... Ouais, voilà, du coup, ça pourrait faire un paradoxe entre le jeu et l'histoire du mec et tout, ouais, c'est... Bah, c'est... Déjà, moi, je pense, très honnêtement, le dragon final, ça va être le Kushala, no spoil, parce que tu regardes... Non mais je dis ça parce que dans le background du personnage, il dit je l'avais déjà affronté il y a quelques années. Ouais. Et il y a mon maître, donc tu sais le mec à la canne qu'on voyait. Ouais, c'est lui qui te fait battre. Il l'avait protégé à l'époque et il a reçu une blessure qui l'a empêché de continuer la chasse. Tiens, le maître, trouve... hein, palace de la chasse. Ça se trouve en vrai, je pense que ça, non, non. Ça se trouve en vrai, on peut y mettre une putain de théorie, hein. Ça peut être potentiellement ça. Moi, c'est ce que j'en pense, justement, c'est qu'en fait, le dragon qui va affronter, ça va être le Kushala avec son maître, et après, ça va être comme décrit dans 4 rues, quoi. Pas forcément, après, peut-être que, genre, ça va s'arrêter à un moment, et après, on pourra faire le lien sur... Oui. Non, mais je veux dire, ça... Parce que sinon, foot, tu vois, genre, des trucs de 4 rues, tu vois, ça pue le recyclage. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que au niveau de l'histoire... Ça va, l'histoire va limite se terminer sur le maître qui se fait avoir, et ensuite on voit un peu... genre en flash-forward, sur... Oui, voilà. Il raconte un peu déjà son passé à l'as de la chasse, et ensuite l'affrontement contre le Kushala avec son maître. Est-ce qu'il serait le méga... Il perd, et après tu vois les conséquences qu'il y a derrière. Après, ce qui serait le méga kiff, MDR, c'est genre qu'il fasse un lien avec le jeu. Imagine, tu vois un chasseur random qui arrive et en fait, c'est toi dans 4 rues, tu vois. Salut, c'est moi. Non, mais genre, tu vois, ils font un chara-design complètement à la Zeb, tu vois, pour dire, ouais, regarde, c'est potentiellement le chasseur dans 4 rues, tu vois, genre toi qui incarne, qu'il fasse un lien, tu vois, entre le jeu et ça, ce serait vraiment super kiffant. Tu sais, ils font comme sur MH World, ils font Freezer. Le mec, il arrive, il fait, je suis le mal. Et toi, ton avis là-dessus, Pierrot? Ouais, vas-y. Dans Hunter 4 Ultimate, il n'y a pas que le commandant, il y a aussi une partie lumineuse. Mais après, peut-être tu pourrais raconter l'histoire de comment il a formé l'unité de la chasse. Hein, mais après, ce que je veux. Plusieurs légendes. Même quand il s'appelle le maître du commandant. Le maître du commandant, du chef, du patron, Enfin, ouais, le maître de l'as de la chasse, de l'as de la chasse. À voir. J'en sais rien, il a pas de nom. C'est le mec qui est là et qui bouge pas. Ouais. Qui donne... Le qui Ouais. Non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que... il y avait quand même un petit scénar là-dessus. L'équipe, il l'aurait formé après cet événement qu'il a eu... Avec le maître. En fait, justement, j'avais lu ça pendant que j'écrivais un épisode de ma chaîne. J'avais remarqué ce petit détail dans le scénario de... Tu veux parler de Monster Hunter Mytho aussi, vas-y. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de... T'es là pour décaler un petit peu, hein. Un peu vers la fin. Comme ça, moi, ce sera plus calé. Là, on est sur ce sujet, pas maintenant. Oui. Voilà. Ensuite. Bon, après, on n'a pas écouté ton avis, Pyro, sur... C'est ce que je disais, en fait. Parce que... Coup de bâton... Non, mais vous avez raison. Je parle, on veut écouter ce que t'as à dire. Donc,
mon avis dessus. Donc mitigé. Ton avis. Mitigé. Bon, le mec c'est une tempête. Tu me dis, ça peut faire un bon truc, mais en même temps ça peut faire un truc. Tu prends Monster. Ouais, voilà. Raiden, je suis désolé. Ouais, mais après Story c'est un spin-off. Dès le début tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Oui, mais ouais. Story ça va pas tout court, c'est un spin-off. Oui. Non, en plus c'est un spin-off. Oh non, voilà, après c'est un spin-off, mais là, ouais. MDR. Ouais, ouais, le cancer de la vie, mon gars. Ouais, vas-y, parle. Je vais m'étouffer, je suis en train de m'étouffer. Vas-y, continue, vas-y. Donc, là, du coup, basé sur Story. S'ils refont la même connerie que sur Story, c'est-à-dire faire un truc trop gamin, quoi. Le ouais, pouvoir de l'amitié, frère. Oui, pouvoir de l'amitié. Est-ce qu'un foulard, j'en peux plus. Mais laisse le finir, putain. Oui, ben, c'était nul, on est d'accord, mais pourtant, ça m'a pas empêché de regarder les 70 épisodes. Oh ouais, il a fait ça, lui. Alors moi, j'ai pas du tout regardé, mais en soi, tu vois, j'étais déjà... Quand j'ai eu Stories, moi, c'était sur la version Jap, et après, je l'ai revu... en LP sur avec divers youtubeurs en version FR quoi. En fait l'histoire, tu vois, je me doutais déjà rien qu'au chara-design des personnages et de l'univers. Ouais, c'est chibi. Ça allait avoir que ça allait avoir un côté gamin un peu. Ouais, c'était enfantin. J'étais déjà préparé à ça, donc ça m'a pas empêché d'apprécier. C'est pas un image viril, tu mais, vois. Après si tu veux. Il y avait quand même de bonnes idées en soi, hein, dans le scénar de MH Stories, il y avait quand même de bonnes idées. Quoi ? Ouais, c'est presque même que sur ProDS. Enfin, du moins, saison 1, parce que la saison 2... Non. Mais je sais pas, j'ai pas regardé les épisodes. Ouais, voilà. mais en tout cas, voilà, c'était plutôt correct. Et... Tu regardes... Comment ça s'appelle ? 4 rues, en soi, c'est pas du tout la même catégorie visée de personnes comparées à Stories. Hein. Stories, c'est pour un public plus jeune, entre guillemets, on va dire. Ouais, il y a bien des trucs compliqués sur Stories. Alors, la tour, c'est un autre délire, quoi. Ouais, mais ça a pas de scénario, la tour. Mais bref. Taper. Sur la saison 2, ils ont réussi à te faire un scénario sur la tour. Stop. Ouais, enfin. Ouais, bah oui, comme je disais, on les a pas vus. Oulala, c'est l'ancienne civilisation ? Non, on a rien dit. Non, pas du tout. Ah, bro. Non, c'est juste des... Une tour qui disparaît sur une île lointaine, je sais pas quoi. Ouais, gros, ils pourraient l'ignorer, ça reviendrait au même. Ouais, donc, voilà, parce qu'elle disparaît, du coup, on s'en fout. T'sais, le mec... Ouais, voilà, mais sauf que quand il y a une amie qui s'est kidnappée, voilà, ils sont obligés d'être connus. Bon, on s'en fout, on sait pas où elle est, t'sais, le mec. De toute façon, la tour, elle disparaît tout le temps. Ouais. Ah là y'a de l'enjeu. Tiens le mec il a... C'est le mec là, c'est une boussole. Donc ouais, pour moi ça va pas du tout être le même type de public visé, hein. Ça va être je pense que ça peut être quelque chose. Bah, surtout que tu regardes les films d'animation, ça a jamais été fait pour les enfants, hein. C'est un préjugé. Regarde les Resident Evil. C'est un gros préjugé. Ouais, regarde français. Ouais, voilà. Sausage Party, etc. ça reste un film d'animation, par contre. Mais bref, tout ça pour dire qu'au final, il y a quand même moyen que ce soit quelque chose d'un peu approfondi, quoi. Que ce soit on espère. Hein. Mais après, tu vois, genre, il y a le basculement entre film ou épisode. Ouais. Et ça, c'est... Mais... Après, tu vois, moi, je suis déjà plus hypé par ce film d'animation que le film Monster Hunter qui a été annoncé. Qui peut être hypé par ce truc ? T'es pas, ils vont faire un truc bizarre. Enfin, dans tous les cas, j'irai le voir, je suis un pigeon, mais... Moi aussi, voilà, pigeon, frère, je ferai un vlog. T'es mal, j'ai dit. Je me ferai... J'ai les yeux qui saignent! Ouais. Tu fais un peu comme Pingai, tu sors, tu fais une crise d'épilepsie sur le trottoir.
Mais pourquoi j'ai fait ça? En tout cas, ouais, tout ça pour dire, y a quand même du potentiel. Après, pour le moment, vu qu'on n'a pas assez d'infos, on peut pas vraiment donner un En avis tout clair, cas, ouais, juste faire des vas-y, fini. suppositions. Bah En tout cas, voilà. ouais, voilà. En tout cas, ce qui est soulageant, c'est de voir cette affiche, tu vois, au moins que ça se passe réellement dans le monde de Monster Hunter, tu vois, pas comme pour le film qui est annoncé, Ouais. qui est censé se passer semi IRL, pseudo post-apocalyptique, monstre, destruction, je sais pas Période de quoi. Noël. Et surtout, c'est un truc Bah, post-apo. période de Noël. Enfin, Ah, c'est Noël! Il y a un Thanos sous mon putain de sapin, c'est quoi ça? et on en parle du Rathalos qui crie comme un T-Rex Ouais, ici. le Rathalos Non, non, alors connecté. ça c'est du fake. Non, ça c'est du fake, après, Ça, c'est c'est du du fake. fake. Ouais, Ça, c'est. ça a été confirmé, c'est du fake. Ah, c'est du fake. Ouais. Oh bah. Et Ouais, là, c'est imagine, bon. tu vois, et là, si tu vois ça dans le film, tu fais Star. Ah, mais j'aurais le seum. Par contre, le Ouais. synopsis, il est réel, hein, mais. Ouais, après, ouais, c'est Malheureusement. la nana de Resident Il Evil, est là, comme ça. qui Bah, joue dedans, déjà, là. c'est le producteur de Resident Evil et c'est celle qui jouait Alice dans les films Resident Evil. C'est elle, l'actrice principale. Wouah, Mais t'es attends, mal, elle va faire la chute. mec, c'est sa femme. C'est la femme du Mais oui. réalisateur. Donc. Non, mais on Oui, je sait. sais. Non, mais tout ça pour dire que. Ça va être. Ça se trouve, Pour tu le vois, genre, moment. ils ont joué à MH, ils ont dit, c'est cool, faut qu'on fasse un film, et on va faire de la merde. Bah oui, au pire. Wouah! Eh vas-y, on va rajouter un peu de Fortnite dedans, c'est quoi? Oh Bah oui, putain! pourquoi? Ouais, ça coûte de la brèche, qu'il y a. Ouais, bim. Vas-y, on va construire un mur de bois autour de la brèche, ils vont plus pouvoir passer. Tu sais, ça me fait penser, en vrai là, tu sais quoi, le synopsis de Monster Hunter, entre guillemets, le film, ça me fait penser à une série qui passait à l'époque sur NRJ12, ça s'appelait Nick Theater et les Portes du Temps. Non, c'est les dinosaures qui passaient dans les dimensions des hommes, tu vois, genre c'était une dimension où il y avait les dinosaures et une dimension des humains, et genre il y avait des portails qui s'ouvraient, et genre ils passaient, et les humains devaient défoncer les dinosaures ou les renvoyer dans leur dimension. Et en fait, quand je vois le film, c'est comme ça, je te jure, je peux tellement avoir Ouais, l'impression de regarder un truc de série B, quoi. Et ça me fait rire. bah. Ouais. Donc là, c'est plus tellement. Là, on commence à changer de sujet un peu, par Oui, contre. bon, dans tous les cas, ça va être un nanar, une sorte de Sharknado, au pire. Oh, j'ai un Sharknado, mon gars! Je les ai tous vus! Tu n'aurais jamais vu un seul. L'affiche, ça me suffit pour me dire que c'est un nanar. Putain, mais c'est là que c'est tellement cucu. Ça me fait trop. En fait, c'est pas le film, tu vois. En fait, c'est le film qui se prend au sérieux, tu vois. Mais en fait, ça se prend tellement au sérieux que c'est marrant. Mais qui C'est est le tellement. directeur? Alors, Une tornade de requin. c'est une C'est une tornade tornade. de requin. C'est la seule Mais qui peut le pire, survivre c'est au que. Talos. Mais le pire, c'est que ça fonctionne, cette merde. Hein. Ils ont même prévu un sixième film. Sérieux? Je te jure. C'est comme les mecs qui essayent encore de faire des films, mais dans de la merde. Les dents de ta mère. Non, c'est pas la même version, ça. Non, la version 18+. Mais. Non, c'est un film cannibale, gros. En tout cas, bah, pour revenir sur Legends of the Guild, Ouais. je pense qu'il y a quand même de bonnes choses à faire, en vrai. De bonnes choses à faire. Bah, en gros, je suis plutôt confiant. Bon, ouais, mais. Oui, moi Plutôt c'est l'affiche. confiant déjà pour ça. Moi c'est l'affiche qui m'a mis en confiance directe en fait. Mais après Ouais. j'ai. Puisque. J'ai quand même des doutes. Mais après, faudra voir le délire. Hein. Parce que. De toute façon, on parle, mais ça se trouve en vrai. Tu sais, ça va faire comme Super Dragon Ball Heroes, ça va durer 8 minutes. On va attendre. Je m'attends à un truc sur Code Lyoko, je sais pas pourquoi. Code Lyoko. En vrai, c'est trop bien Code Lyoko. Qu'est-ce que tu veux? J'ai jamais regardé. Ah, Si, j'ai regarde, quoi. déjà regardé, déjà. C'est la base, c'est la Mais base. il y a tout le monde qui m'en parle. Je sais pas, j'ai jamais accroché. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Bon, enfin, bref. Tu sais, genre, imagine, délire à Code Lyoko et MH Legend of the Guild, tu sais, les mecs. Faut qu'on aille dans le monde de MH. En fait, c'est des gamers comme nous, tu vois, mais qu'ils ont trouvé un super calculateur et tout. Ouais, bon, c'est comme dans Ouais, par contre, Jumanji, non. quoi, enfin le deuxième. Ouais, Jumanji. Non, bon, MH. ouais, avec pour moi, je son pense que ça va vraiment être un scénario MH, quoi. Ça va pas être un Ouais, truc voilà, ça sera avec. poste de guild et tout. Ouais. Bah, je pense que moi, niveau timeline, parce que moi, dans ma tête, j'ai plein de timelines dans MH, ce sera vraiment au tout début de la guild. Parce que, ouais, ce sera vraiment la création de la guild. Ce sera quelques temps après la création de la guild. Genre 100 ans.
mec, si c'est 100 ans avant, est-ce que t'es en train de te rendre compte que ça veut dire que l'As de la Chasse, il a plus de 100 ans? Non, mais 100 ans après la création de la guilde. Parce que l'avènement... Parce qu'en fait, genre... Mais non, mais... Oh putain, en vrai, c'est que j'ai ma timeline précise dans ma tête. En fait, c'est que genre, les hommes sont mis à chasser avant la guilde. Et après, il y a eu la création de la guilde. Et après, il y a eu une période de vaguement. Et après, il y a eu l'avènement et la création. Et après, il y a eu la période où les hommes ont commencé, tu vois, genre à s'initier à la chasse. Ça a bien duré une centaine d'années avant que tous les hommes commencent à se rebeller vers les wyvernes et tout. Et après, les As de la Chasse, ils ont décidé, c'est après, là, ça mène les événements, entre guillemets, qui pourraient potentiellement se passer. Ouais, après, si dans ce truc-là, ça se passe à l'ancienne civilisation. À mon avis, non. Non, ça se passera pas à l'ancienne civilisation, sachant qu'ils avaient pas d'armes comme ils avaient aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Bah là, tu regardes complètement le chara-design du perso, il y avait la vidéo de Gaijin qui en parlait bien. Ouais, Gaijin Hunter. Totalement le chef des As de la Chasse. À mon avis, ça... Mais ça se trouve, c'est une putain perso. D'affiche promotionnelle pour noyer le trou du cul, et en fait, c'est pas ça. C'est un fake. Non, c'est pas un fake, c'est clairement pas un fake. Ça a été dit par Ryuzo Tsujimoto et tout, que ça... On a tous vu la vidéo, hein. Oh, pigeon. Ah ouais, dès qu'on a des infos, frère, ça va chier. Hein. Il est actuellement 21h30. Je vais pas, par contre, je vais pas Image World, moi, du coup, Image World, moi, je vais peut-être en parler vite fait. Maintenant, vas-y, discute. Les mises à jour, elles mettaient trop de temps à arriver. C'est dur à ça. Ouais, en fait, pour moi, la raison, c'est tout simplement parce que vu que c'était leur premier vrai opus PC aussi, ils se concentraient surtout sur ça, mais maintenant qu'il va sortir, je pense que les mises à jour vont être plus régulières. C'est tout. Peut-être, mais en tout cas, si jamais c'était vraiment ça, les mises à jour seront sans doute plus courantes déjà. Parce que parce qu'un monstre tous les deux mois, c'est... Ouais, c'est ça que je voulais dire, les monstres. Moi, j'y crois pas du tout. Non, il y aura pas de version G, grosse fière, je sais pas. Pour moi, il y aura juste une version. Il y aura juste une mise à jour qui apportera le rangé. Ouais, je pense pas qu'il y aura. Je pense pas qu'il y aura. Si, moi, je pense qu'il y en aura un. Il y aura pas de. Il y aura pas de MH World Ultimate. Il y aura pas. MH World Ultimate. Ultimate World. Tu sais, bientôt, ça va faire comme dans One Piece, tu sais. Genre, t'as One Piece Ultimate World, c'est pareil pour OMH. Parce que Ultimate, c'était surtout la marque de fabrique de Nintendo, ça. Oui. Mais je pense pas que... Ça restait aussi une marque de fabrique pour dire que c'était les autres jeux. Mais regarde, Super Smash Bros, Super Smash Bros Ultimate. Non mais tu sais, Kyo, quand je dis Ultimate, c'est juste pour que les gens s'y retrouvent. Hein. De base, l'Ultimate, c'est une marque de fabrique Nintendo. Hein. Non mais j'ai pas dit le contraire. Parce que si on regarde les opus PS2, c'était G et ça bougeait pas. Ça pour que les gens s'y retrouvent vu que c'est plus récent. Ouais, mais si les jeux sont pas intelligents. Non, je dis pas. Donc, c'est le seul truc que j'ai à dire sur World dernièrement. Sinon, il y a le. Ouais, il y a le retour de la Cuve et sinon, il y a le festival d'été aussi. Le Kultaroff. J'adore ça, les fois. Ça va faire des... Ça va faire des doujinshi, mon gars. T'as dit quoi? Kirou, t'as dit quoi? Burk. L'amiral? Ouais, non. Pas trop, en fait, non. Par contre, là, pour l'assistante, d'accord.
Ah bah oui, toujours. Bande de porcs. Ah, c'est pas moi qui ai dit pour l'assistant. Ah oui, c'est... oui, c'est moi. Quand même, t'as réagi. Moi j'ai assis. Oui. Ouais. Non mais... Attends. Ceux qui sont en train de me regarder, on est d'accord, j'ai pas vu tout ça. On m'a parlé off-cam. C'est le mec qui essaie de foutre la merde. Ouais, oui. Oui. Donc, vous voulez qu'on se refaire un truc de n'importe quoi. Ou alors, on continue en disant de la merde. Vas-y, me dire le mot de la fin. C'est payant. Un mot, pas une phrase, il est con, lui. Chaise pliante. Maturité sur un. Je sais pas, j'allais dire chaise pliante. Du gong, mot de la fin. Chasseur du cœur. Allez, non, un mot, putain, mais ils bien évidemment. CDC. Bien évidemment, CDC. Non, mais ça, c'est des lettres, c'est un acronyme, c'est pas un mot. Fais pas chier, con. Non, je fais pas. Non. Mais c'est un mot, pas un acronyme, ni une phrase. Il a déjà dit, moi, c'est chaise pliant. Déjà, ça fait deux mots en plus. Ta gueule. Chaise. Ta gueule. Ok, pliant. Chaise-liant. Ouais. Voilà. Ouais. Ça fait une fusion de deux mots. Chasseur du cœur. Les chasseurs du cœur, c'est tout simplement un collectif de streamers qui fait un marathon de 72 heures. Une fois par an, en juillet, août en général, enfin pendant les vacances d'été. Ils streament pendant 72 heures tous les opus, enfin pas tous, mais une grosse majorité des opus de MH. Et tous les dons qui sont faits pendant ce marathon sont redonnés à des associations caritatives. Par exemple, Psy d'Action, L214, ces derniers temps, enfin pour les dernières... les éditions des Chasseurs du Cœur, donc voilà, c'est ça. Ça me fait rire. On tue plein de mobs pour donner des... On possède un serveur Discord. Tout va dans la description. Comme vous. Sûrement. Regardez. Je vais fonctionner un Discord, si vous voulez en créer un, pour y aller. Vous vous amuserez. On se tape des barres là-bas. On se tape des barres, éventuellement. Et puis, ben... voilà. Il a dit éventuellement. Ensuite, vous possède également une chaîne YouTube. Également en description. Il fait MH Mythologie, il s'inspire un peu de moi, donc j'en ai plus pour lui faire de la pub. Et ensuite, je vais garder plus sur YouTube. Je suis pas très utile. Voilà, en vrai, t'as tout dit quoi. Je fais MH Mythologie. Après, si je vais pas parler de MH Mythologie, sinon il y en aura pour 3 heures à parler de ça, mais. Ça tente les personnes qui voient la vidéo, qui s'y attellent 2 minutes, 3, regarder un épisode ou 2, et voli-volou quoi. Bon, regarder un épisode ou 2, en vrai, faut pas regarder dans n'importe quel ordre, après sinon faut pas comprendre. Bon, après, si, en vrai, si tu peux regarder, après, on peut vous regarder dans n'importe quel ordre, après si. Je suis sérieux. Bah, en vrai, c'est comme ça que ça fonctionne, tu peux regarder dans n'importe quel ordre, mais après, tu peux reconstituer le scénario toi-même. J'ai créé en fait en fonction que ce soit ton principe dans n'importe quel sens. Ouais, c'est un peu comme un puzzle ou oui. Non mais je sais. Un puzzle. Non, c'est pas un puzzle. Genre c'est un labyrinthe où tu peux aller partout mais ça fait oui, pareil. Oui, d'accord. Ouais. La métaphore était pas présente. C'était oui. 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 Puis... Ouais. Les bons bails. Il a appuyé sur start. Ouais, j'ai appuyé sur start. Ah non, mais moi je le savais. Alors, pour le projet que j'avais là. Projet que j'avais. Guy. Prévu, Guy, etc. Il est encore en cours. Très chiant.
Corse prend plaisir à faire. C'est long et ouais, long champ, plaisir et dureté, c'est ça va être tes mazos. Oui, voilà, exactement. D'accord. D'accord. Oui, toujours. Mais en fait, c'est toi juste qui est dérangé. Oh putain. Tu vois le plaisir qu'il prend. Ah oui, non, mais là, si les gens se sont amusés en nous regardant, je te dis, c'est un problème quand même. Théma, tu vas voir tes analytiques, frère. 2 minutes de vidéo, regarde. Moins 10 abonnés, moins 20 abonnés. Ah ouais, mec. Bon, si la vidéo vous a plu quand même, le pouce bleu, évidemment. Abonnez-vous, ça j'ai fait. Ouais, tu vas déjà te le dire. Ouais. Ouais. Arrête! Ça, c'est subliminal, frère! Oui, bah, arrête de lui couper la parole, putain! Évitez de me couper, j'en serais pas là! Mais oui, mais tu arrêtes! Putain! Je suis pas. Ok, mode veille. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Un commentaire aussi. Et puis au revoir. Allez. Allez, les bleus! Salut!